J'assiste à la demi-finale de l'Eurovision. Hello mes mystères, que vous allez bien? Get ready with me to see la demi-finale de l'Eurovision. Je suis ici pour 3 jours. Je suis hyper contente, hyper excitée là, hyper reconnaissante d'être ici. Regardez mon petit peignoir est tout doux là. Alors je vous préviens, ça va être une première pour moi de me maquiller et de parler en même temps. C'est un challenge, on se rend pas compte derrière l'écran, mais c'est très compliqué. Il faut que je réfléchisse en même temps à ce que je vais dire. Bref, oula, je suis tellement contente d'être là. Pour ceux qui me connaissent bien, savent que j'aime tout ce qui est danse, chant, spectacle et tout. Voilà, moi mon rêve, je le pose ici, c'est de faire danser avec les stars. Voilà, si TF1 vous passez par là. Mais je reconnais la chance que j'ai de pouvoir assister à ce genre d'émission. L'influence, ça m'a ouvert tellement de portes. En partie grâce à vous, donc merci beaucoup. Ça fait déjà 1 minute que je parle et j'ai pas commencé à me make-up. Bon, je vais faire un maquillage assez simple et en coiffure. Je pensais une demi-queue tirée. Donc voilà, on est arrivé hier avec Vincent. On est avec un groupe d'influenceurs aussi d'un peu partout dans le monde. De UK, d'Espagne, de Germany. Et on est là 3 jours. C'est dingue de voir tout le travail qu'il y a derrière le spectacle. Toi, t'es sur ton canapé comme ça, posé, tu regardes devant la télé. Mais tu te rends pas compte de tout ce qu'il y a derrière pour le son, les musiques, les caméras. Les lumières, les costumes, le make-up, les loges, tout ça c'est un truc de dingue, c'est un monde à part. Moi je pense que vous le savez, mais à Liverpool il est 1 heure en moins qu'en France, donc là actuellement il est 16h. Alors pourquoi je me prépare maintenant? Déjà parce que le spectacle faut qu'on y soit à 19h et ensuite on va dîner avant à 17h, sauf que très drôle, on sort de table, hein. Vraiment j'ai l'impression de faire que manger. Bon, j'avais beaucoup trop chaud, je me suis changée, je pense que la vidéo va durer très très longtemps. Parce que je vais tout faire d'un coup, make-up, coiffure, et vous montrer ma tenue à la fin de la vidéo. Moi dans ma vie j'en suis où? Donc j'ai fini mon école, j'ai passé mon dernier grand oral fin mars, et là je suis en stage pendant 5 mois jusqu'à fin septembre. Mimitika, je sais pas si vous connaissez. Bon, faut quand même que je me dépêche parce que je blablate, mais il est 16h10 et j'ai rendez-vous à 16h40. Et moi je mets du temps à me coiffer. Mais je fais gouttes partout là. Je jure, c'est un vrai travail de pouvoir se maquiller, regarder dans le miroir, parler en même temps. Sinon du coup, cet été, on n'a rien de prévu avec Vincent, comme je dois rester sur Bordeaux. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous avez prévu pour cet été, si vous partez en vacances et tout. Mais là, je pense que ça commence à être les vacances, déjà pour les facs et tout. Après, pour le lycée et collège, non. Pas encore, bientôt, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, guys, est-ce que vous avez des solutions à m'apporter? J'ai le crâne chevelu extrêmement sec. Ça me gratte, ce n'est pas des poux, hein. C'est vraiment, ça me gratte, mais d'une puissance. J'ai tout essayé, hein. Des shampoings, des sérums, des machins et tout. Et ça me gratte. Je n'avance pas dans mon maquillage. Je viens de tester. Ah, oh, bah, j'ai même pas enlevé le plastique. Je sais pas ce que vous voulez connaître de moi, de ma life. Posez-moi des questions en commentaire, je ferai peut-être une vidéo où je réponds aux questions. Parce que là, du coup, je sais pas trop quoi raconter. Je viens de découvrir le blush. Je n'avais jamais mis de blush de ma vie. Bon, déjà parce que je me maquillais pas forcément beaucoup. Mais là, je ne peux plus sortir sans blush. En fait, ça fait un teint beaucoup plus fraîchi et tout. Oh, je vais mettre du fard à paupières. Regardez comment il est brilli. Oh, regardez, on se voit à l'infini. Je ne sais même pas maquiller les yeux, les gars. Déjà, en plus, on doit commencer par les yeux avant le teint. Parce que là, du coup, je vais me foutre plein de paillettes, je suis en train de penser. Je fais n'importe quoi. Ma prochaine vidéo Get Ready With Me, ce sera un 15 faits sur moi. J'arrête pas de voir de vidéos de gens qui font ça et je kiffe le concept. Un petit gloss pour briller de mille feux. Mon petit parfum. Voilà, je pense que niveau make-up, on est bien. On va pas... Et la touche finale, la tenue, j'ai acheté ça dans une petite boutique à Hossegor. C'est une combi pantalon. Attendez, je vais la mettre. Hop, sans transition, je la trouve mais tellement belle. Oh, et puis voilà, je pense que le look final, on commence à l'avoir. J'ai mon petit sac à main, le petit parfum de remède bien sûr. Très important de sentir bon. Voilà, je pense qu'elle aura assez. Bah écoutez, sur ce, c'est une fin de vidéo. Je vais aller faire mes petites vidéos de transition. J'ai trop hâte de voir la demi-finale. Et puis sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo.